centre de traitement COVID-19 à Ivat. Inauguration ce matin. Le centre de traitement COVID-19 à Ivat dispose de 400 lits pour accueillir les patients infectés par la COVID-19 et présentant des symptômes aggravés. Les lits sont espacés de 2 mètres. Les hommes et les femmes sont accueillis dans des ailes différentes du centre. Les matériels et les médicaments sont suffisants et le centre dispose d'ambulances équipées pour transporter les malades. Ce centre a été inauguré aujourd'hui en présence du président de la République, André Duhem. Le chef de l'État a annoncé que l'objectif de l'État est de sauver plus de vies qu'on ne déplore de décès liés à cette pandémie. L'État assure que les centres de traitement seront équipés des matériels nécessaires à la prise en charge des malades et qu'il apportera son appui au personnel soignant en leur payant des indemnités. En ce temps de crise, il est important de rester solidaire, a souligné le chef de l'État. André Duhem a rappelé que les personnes qui souffrent de détresse respiratoire sont invitées à se rendre à l'hôpital Annoncial, à l'hôpital Manarapinch, au centre médical COVID-19 en Dotapenak et désormais au CTC-19 d'Ivat. D'autres centres de traitement de la COVID-19 seront installés prochainement et le chef de l'État a indiqué qu'il prendra le temps de descendre sur le terrain pour constater de visu la prise en charge des malades.